طب ما نشوف سيسي بقى المدير الفني للسنغال وكوليبالي كابتن الفريق وقائد دفاعه، هل هم قلقانين هم رخرين ولا جايين يعملوا ايه؟ نشوفهم في المؤتمر الصحفي النهارده ونطلع منه الفاصل. Oui, c'est vrai qu'il y a un mois qu'on a joué cette équipe égyptienne. Est-ce qu'on a eu le temps de changer de système tactique en si peu de temps? Je dirais que non. Nous sommes dans cette continuité, mais nous savons aussi que nous pouvons aussi nous améliorer. Nous pouvons aussi changer de système tactique, si vous voulez, au courant de la rencontre. Mais en réalité, nous sommes fidèles à ce que nous avons fait jusqu'à présent. À nous de rentrer dans ce match-là comme il se doit. Nous sommes conscients de ce qui nous attend demain. Nous savons aussi que l'Égypte joue face à son public. Le public sera là. C'est très important. On connaît l'ambiance de ce stade-là. Et comme le disait Koulibaly tout à l'heure, je crois que ces deux grandes équipes-là, qui sont à la fois l'Égypte, à la fois le Sénégal, ont envie de retourner à cette Coupe du Monde. Je l'ai dit en conférence de presse lors de ma publication de la liste. Le football de haut niveau, le football professionnel ne se nourrit pas du passé. Aujourd'hui, nous avons face à nous l'Égypte, qui sera deux rencontres très compliquées, très rudes, très difficiles. Et aussi, le Sénégal est là aussi pour continuer à progresser et continuer à écrire son histoire. تمام، هو الكابتن بيوضح انه بالفعل فات شهر تقريبا على المباراه اللي جمعت المنتخب المصري بالمنتخب السنغالي، في حاجات معينه طبعا هيكملوا عليها، ولكن الشهر ده كان مده كافيه انه يحسنوا بعض النقاط او يشتغلوا اكتر على بعض النقاط. الكوتش بياكد ان مباراه بكره هتكون صعبه جدا، خاصه ان هو عارف ومدرك اهميه استاد القاهره وان الماتش هيتلعب عليه، واهميه ان كل فريق سواء ماتش بكره او ماتش العوده في السنغال هيقدم افضل ما لديه، وده هيخلي عندهم حرص ان هم بكره يبداوا المباراه بالشكل الامثل Ouais, c'est vrai. Quand je suis rentré dans le stade, ça m'a rappelé cela, que j'avais fait ce match en tribune à la dernière finale de la CAN en 2019 en Égypte. Voilà, ça m'a fait un peu mal, mais j'ai à cœur de gagner dans ce stade, de bien faire. Je sais que ça va être très difficile, mais je pense que nous, le Sénégal, on a une revanche contre nous-mêmes dans ce stade. On sait que la dernière fois qu'on a joué dans ce stade, on a perdu. Et demain, on va tout faire pour pas que ça se reproduise, parce qu'on sait que ça va être un match très important, très difficile. L'Égypte joue devant son public. Il y aura beaucoup de spectateurs, mais je pense à nous de gérer la pression, d'être prêt pour ce match. C'est un match de haut niveau et c'est un match qui va être totalement différent, comme je l'ai dit, de la finale. L'Égypte va tout faire pour gagner le match, mais je pense que nous, on doit être à la hauteur. Essayer de gérer cette pression, essayer de gérer... cette équipe de l'Égypte, et on va essayer de tout donner. Mais personnellement, je pense que nous, Sénégalais, on a à cœur de bien faire dans ce stade, parce que la dernière fois qu'on est venu, on a perdu, et ça, c'est une revanche qu'on a contre nous-mêmes. الكابتن شايف انه بالفعل ده كانت مباراه مهمه جدا، هو النهائي الاخير هو حضره من المقصوره، ما قدرش يشارك كلاعب، واول ما دخل الاستاد فعلا افتكر الذكرى دي لان هي كانت ذكرى مهمه جدا بالنسبه له. هو عارف انه المباراه الاخيره اللي لعبها منتخب السنغال في استاد القاهره خسرها، فده بيزود الدوافع بالنسبه لهم وبيكون زي صقر انه ماتش بكره مهم جدا ان هم يحققوا المكسب فيه. هو عارف ان وجود الجماهير المصريه وجود عدد كبير جدا من الجماهير بيساند منتخب مصر ده هيزود من صعوبه المباراه، ولكن في المقابل هم هيبذلوا افضل ما لديهم علشان يقدروا يتغلبوا على الضغط ده، لانه هيمثل ضغط كتير بالنسبه لهم. هم هيحاولوا يتغلبوا على الضغط ده وهيحاولوا انه يكون في تحقيق صقر خساره النهائي الاخير اللي كان هنا في استاد القاهره. Ça sera pas un match facile. Capitaine Koulibaly l'a dit. Je pense qu'aujourd'hui on est en face aussi d'une très bonne équipe. D'une très belle équipe qui est l'équipe égyptienne. Mais comme je le dis, nous aussi, on a des arguments à faire valoir face à cette équipe égyptienne. On a envie d'aller à cette Coupe du Monde. Nous travaillons dur pendant des années et des années, en réalité, pour des compétitions comme ça. Ce groupe-là a été constitué aussi pour jouer ces compétitions-là. Nous savons que ça se jouera en deux matchs. Même je dirais trois, la finale a été gagnée, parce que dès lors qu'on a su que c'était l'Égypte, on savait qu'on était amené à aller jouer trois fois. Il y a un match qui a été gagné, on sait qu'il y a un deuxième match qui est très 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 important, qui est ce match de demain. Mais forcément, quoi qu'il puisse se passer demain, il y aura un match décisif chez nous. Donc c'est un match aussi c'est une rencontre qu'il faut jouer avec quand même beaucoup d'intelligence. Ne pas faire n'importe quoi, parce que c'est deux matchs aller-retour, on n'ira pas en tout cas à la fleur au fusil. Mais nous essaierons en tout cas
d'avoir le meilleur résultat ici pour bien aborder le match retour. تمام هو الكابتن بيوضح ان هو عارف بالفعل ان هما مباراتين وان كان بيعد ان المباراه الثالثه النهائي الاخير اللي جمع بين منتخب مصر ومنتخب السنغال من ضمن المباريات الصعبه لان هما لما لعبوا الماتش ده كانوا عارفين ان هما هيلاقوا مصر في التصفيات المؤهله لكاس العالم فبالتالي ده بيزود الطموحات اكتر وبيزود من صعوبه المباراه هياكد اكتر ان هو من الضروري لعب المباراه بذكاء وتجنب الوقوع في اي اخطاء خاصه هو عارف انه هيكون في مباراه للعوده ولكن من المهم ان احنا ان هم يطلعوا بكره من المباراه بنتيجه تسهل عليهم مباراه العوده بعد كده